C'est une question compliquée. Je dirais que ça pourrait être bien, car les jeunes ne savent pas spécialement tous. Il y en a qui le savent plutôt encore, mais à l'âge qu'on a en deuxième, troisième, on ne sait pas encore spécialement ce qu'on veut faire plus tard. Donc ça pourrait être bien pour faire goûter à plus de choses et peut-être donner l'envie dans une autre matière auquel on n'aurait pas pensé avant. Après, ça peut être stigmatisant pour celui qui a, sait déjà ce qu'il veut faire et qui est obligé de faire des cours qui ne l'intéressent pas du tout. Parce que ben, on a nos cours d'option 1 et 2, et après on doit choisir vraiment ce qu'on veut, mais je trouve que c'est pas pour l'instant c'est pas super, parce que bon, il y a rien qui nous aide vraiment, à part un peu le PMS, et encore généralement on se trompe avec ça quoi. D'un côté, oui, parce que voilà, on va pouvoir connaître des choses peut-être qu'on n'a jamais faites avant. Par exemple, je sais pas, comme vous avez dit, jardiner, etc. Moi, j'ai jamais pensé, donc si une fois je me retrouve là-dedans, je vais pas dire que je vais pas m'y plaire, mais ça pourrait m'apprendre quelque chose et m'intéresser. Bah, c'est toujours important, et puis en plus, en première, deuxième, on n'est pas encore clair dans nos idées, donc peut-être ça pourrait nous lancer quelque part. C'est sûrement une bonne idée, ouais. Je pense que ça peut être une bonne et une mauvaise idée, parce que ça peut permettre de se donner une meilleure idée de ce qu'on veut faire plus tard. Mais ça peut aussi être une mauvaise idée, parce que s'il y a une matière qui ne plaît pas, bah, c'est plus dur de s'en sortir. Je trouve ça vraiment mieux parce que du coup, on ne devrait pas se poser la question à savoir si on doit aller en technique ou en professionnel ou rester en général. Et les cours généraux et professionnels seraient pas aussi différents et on dénigrerait pas les professionnels. Et du coup, on serait sur un même pied d'égalité en fait. Ouais, si. Parce qu'après 2 ans, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour choisir et les options commencent à augmenter de plus en plus en année. Et si tout le monde au moins avait plus de temps, ce serait mieux.